Aujourd'hui, je devais partir en vacances. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mon avion a eu un problème et du coup, on s'est écrasé sur l'île secrète de mercredi. Reste jusqu'à la fin, la vidéo risque d'être incroyable. On verra quelques membres de la famille de mercredi et pour le coup, ils sont assez drôles. Un objectif de 7000 likes, je compte sur vous et je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui les amis, j'ai une très grande envie d'aller en vacances. Et le problème, c'est que c'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent pour aller en vacances. Mais du coup, j'ai eu la bonne idée de construire un avion et d'aller en vacances avec mes propres moyens. Mais je viens de me rendre compte que je sais pas construire non plus. Mais comme j'ai des enfants et un hacker qui vit à la maison, et je me suis dit je vais profiter d'eux et c'est eux qui vont construire l'avion pour moi les potes. Je ne sais pas encore où je vais aller en vacances, mais j'ai hâte de prendre l'avion. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous kiffez aller en vacances et c'est quoi le pays de vos rêves. En tout cas, c'est parti, j'ai hâte de voir où ils sont. Alors attendez, on va regarder un peu. Ils ne sont pas dans le salon. Oh, oh, ça vient de dehors, tiens. Mais attendez, mais... Oh, mais ça va, ça vient de... Mais attendez, quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut au fond du jardin, là? Quoi? Bah attendez, quoi? Ils sont en train de faire la sieste. Mais attendez, mais c'est une blague. Attendez, je vais les réveiller. Il est trop bête. Mais qu'est-ce qui vous prend à dormir dans le jardin comme ça, là-haut? Regarde, tu vois pas qu'il fait beau en hiver? Il faut en profiter. Oui, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances, d'accord, mais voilà, quoi, faut pas trop dormir non plus. Si, moi, mon prof, quand j'étais au collège, donc ça fait pas mal de temps maintenant, il me disait que les vacances, c'était pour se reposer. Ah bon? Oui, allez, oui, oui. Voilà, voilà. Allez, voilà. Voilà, celle-là elle est bonne. Voilà, et toi, par contre, qu'est-ce que... Ah, tu vas m'expliquer. Je suis le père Billy. Père Noël, est-ce que je peux avoir un cadeau? Ah oui, tiens, regarde ton cadeau. Ouais. Des hot dogs, n'importe quoi. Et vous savez quoi? Figurez-vous que moi aussi, j'ai envie d'aller en vacances. Ouais. Mais avec nous, hein. Nous, on a trop envie de venir en vacances. Ouais, justement, enfin, des vacances avec vous, ça s'appelle plus trop des vacances, quoi. Revenez. Ça va. Attendez, ok, j'ai une idée. Bon, au pire, on fait un marché. Vous allez m'aider à construire mon avion. Et peut-être que je vous emmènerai avec moi. Ouais. Tu veux dire quoi, peut-être? Oh, peut-être, voilà, les pose pas trop de questions. C'est parti, let's go les potes. Bon, on va aller construire un avion. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vais leur mettre la carotte du siècle. Ils ne vont pas venir avec moi. Et puis quoi encore? Vous pensez vraiment que je vais me trimballer Billy et Val Hacker pendant 15 jours? Allez, c'est ça, c'est parti. On va aller en vacances. Alors pour le coup, c'est parti, on va construire l'avion sur le toit de chez Apu. Bon, je sais pas s'il y aura toute la place. Nous voici sur le toit de chez Apu. Et oui, il y a la place de faire l'avion, c'est parti. Oui, il y a de la place. Allez, let's go. Du coup, faut faire un avion en fer, d'accord? Parce que les avions en bois et tout. Voilà, nickel, voilà, exactement. Mais pas de roue? Attends, qu'est-ce que tu fais? Un avion, ça roule pas. Mais si, pour décoller. Alors, Billy, ils volent directement. Bon, allez, c'est ça, allez, tu sais quoi, on va pas lui porter plus d'importance que ça, parce que bon, Billy, il est un petit peu trop bête. Voilà, allez, c'est parti, on fait l'avion, du coup, hop. Ça va être le sol de l'avion, c'est parti. Là, on va faire les petits côtés, let's go. Vous allez voir, les amis, l'avion sera trop stylé, et notez-le sur 10 dans les commentaires, je compte sur vous, c'est parti. Il va être trop beau. J'espère. Pour conduire un autocar et pas un avion. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais... Ouais, mais j'avoue, mais qui a mis les roues comme ça? Arrêtez. Oui, hein, c'est vraiment moche. Là, pour le coup, on fait un avion. En vrai, là, c'est bon, là, il commence déjà à avoir une meilleure tête que tout à l'heure, parce que bon, tout à l'heure, voilà, quoi. Mais là, il est vraiment trop beau. Ouais, là, vraiment, il est vraiment trop beau pour le coup. C'est parti. Il est beau comme un camion. Oui, c'est ça. Allez, hop là. Waouh. Ok, mais pour le coup, on s'y croirait vraiment. Allez, moi, je m'occupe des ailes. Je m'occupe des petites ailes. Mais attention, hein, parce que faudrait pas s'écraser là. Oui, t'inquiète pas. Hop là, on va faire des grandes ailes comme ça, bien comme il faut. Hop. Ah là, comme ça, on va voler très très haut. Papa, il vole des fois. Waouh, ok. Bon, je...
Bon là c'est un petit peu faux Billy, mais bon allez c'est pas grave. Regardez les ailes de l'avion, elles sont magnifiques. Et derrière l'avion on va faire des petits ailerons là, tu sais, comme ça. Oui. C'était le devant ici. Hein? Ah ça c'était le devant ici? Pourquoi tu mets les ailes comme ça là? Papa, j'ai une idée, papa. Oui, quoi? Regarde, j'ai trop une idée, papa. Ouais, on dis-moi. On va aller faire un nez rouge. Un nez rouge. Rodolphe. Oh, mais attendez, mais les amis, en vrai, de vrai, l'avion, il est stylé, là. Hein. Regarde ce que je rajoute à l'arrière. Tac, tac, tac. Des petits vieux. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est stylé, d'accord. Oui. Allez, alors, d'accord. Attendez. Pour l'instant, vous, attendez-moi à l'extérieur, ok? D'accord, okay. D'accord. Voilà. Non, on va faire nos valises, hein. Oui, oui, voilà. Ah bah oui. Oui, allez faire vos valises, je vous attends ici, ok? D'accord, à tout de suite. À plus. Allez, à plus. Billy. Billy, viens. Oui, quoi? Viens. Hop là, je suis là. Bon, Billy, est-ce que tu veux venir avec moi? Hein? Où ça, papa? En vacances. Oh. Oui. Allez, c'est parti, vas-y, viens, monte. Ouais, c'est parti. Oui, allez, c'est ça, allez, vas-y, conduis si tu veux. Bon, les potes, je vais partir en avion seulement avec Billy, parce que sinon, ça fait beaucoup trop. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, vas-y, décolle. Oh. Nous voici dans l'avion, regardez où on est vraiment super haut là, pour le coup. Billy, ça va? Tu te sens bien? Mais qu'est-ce que t'as? J'ai mal au ventre, papa. T'as mal au ventre? Oh non, mais ça va, t'inquiète pas, c'est parce que t'as le mal de l'avion, mais ça va aller. Je pensais que j'avais le mal de mer, papa, pas le mal d'avion. Mais non, ça va. Bon, les potes, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez du mal avec l'avion. En tout cas, c'est parti, Billy. Attends, tu veux conduire un petit peu? Ok, vas-y, essaie de conduire. Oh. Oh. Ouais, Billy, Billy, mais non, mais pas comme ça. Mais c'est pas comme ça, non. What? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Oh non, mais où est-ce qu'on est là? Billy, oh, Billy. Ça va? Ça va aller, Billy? Ça va pas. Oh non, ça va, rien de cassé. Oh non, mais Billy, j'ai l'impression qu'on a fait un accident. Toi aussi, tu penses, papa? Ouais, je pense, bah vu l'état de l'avion, ouais, je pense qu'on a carrément fait un accident, là. Aïe. Oh là, oh non, les potes. Qu'est-ce qui nous a pris? L'avion s'est complètement cassé en deux. On a atterri dans une île complètement... Terre, what? Oh, Billy? Papa? Oh? T'as vu ce que j'ai vu, ce qu'on a vu? Ouais, je vois, mais il y a quelqu'un là-bas, on dirait. Ah oui, qui? Moi, je vois personne, papa. Trop bizarre. Bon, vas-y, viens, on essaie de s'y approcher. Ah oui? On va essayer de demander des petites informations concernant l'île, où est-ce qu'on est, et comment on pourrait sortir d'ici, tout simplement. Allez, c'est parti, on va faire un petit peu le tour de l'île. Il y a une tente. Oh, papa? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, ça? Oh, il y a l'air d'avoir un monsieur. Attends, je vais aller lui parler. Bonjour, monsieur. Ça va, tranquille. Ça va, je vous ai fait peur, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous faites quoi, là, en fait? On a eu un petit accident d'avion, là, mais vous, qu'est-ce que vous faites, là? Je suis en camping. Oh, vous êtes en camping? Ouais, ah. On est en camping. Ok, d'accord. Et vous faites quoi, là, du coup? Vous faites un camping, mais avec qui? Avec ma fille, là-bas, là. Je sais pas si tu vois sa tante, là. Oh, ouais. Mais elle veut pas la voir, elle est méchante. Enfin, elle est chiante. Mais c'est votre fille, quand même. Non, on va la voir, hein, mais je te... Bon, bref. Ok, vas-y. D'accord. Oh. Ok, bon, et vous vous appelez comment, monsieur? Ah, je m'appelle Gomez. Monsieur Gomez. Ok, bon, les potes, on va aller voir la personne juste en face pour voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Bonjour. Danger de mort, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, madame. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est mercredi. Oui, c'est ça. Oh, c'est mercredi. Oh, mercredi, oui. Mais qu'est-ce que tu fais là, mercredi? Eh bien, je fais du camping, en fait. Oh, du camping, d'accord. Oui, c'est la première fois de ma vie, je déteste ça. D'accord, et le monsieur qui est là-bas, c'est votre père, c'est ça? Si on peut appeler ça un père, oui. Oh là là, les amis, j'ai l'impression que mercredi et son papa ne s'aiment pas beaucoup. Eh, Billy, ça te dit qu'on les aide à se réconcilier? Oui, papa. Oh, ok, nickel. Bon, bah écoute, mercredi, ça te dit de nous aider, s'il te plaît, à quitter l'île parce qu'on a fait un accident d'avion? Ah oui, moi aussi, je voudrais quitter l'île. Hein. Oh, ok, bah vas-y, c'est parti. Bah du coup, on peut commencer. Let's go. Attends, mais monsieur Gomez. Ah, oui, c'est moi. Oui, monsieur. Bon, j'ai un petit marché à vous proposer, ok? Oui, je vous écoute. Vous nous aidez à sortir de l'île et nous, on vous aidera à vous réconcilier avec votre fille. Mais vous voulez vraiment mourir? C'est pas possible. Vous aider, c'est possible. Moi, je peux pas être en bonne entente avec ma fille. C'est pas possible. Mais si, je suis sûr que c'est possible. Bon, allez, c'est parti. Bah attends, mercredi. C'est parti, on peut commencer. Oui, c'est parti, mais évitez de parler à ça.
Oh, oh là là, bon, les potes. T'as vu, papa, elle est méchante. Elle est vraiment méchante pour le coup. Si vous savez pourquoi Mercredi et son papa ne s'aiment pas du tout, dites-le moi dans les commentaires parce que bon, j'ose pas trop leur demander. Voilà, c'est plutôt intime ça. Et puis voilà. Et ouais. Vous êtes qui? Nous, on est Souka et Billy. D'accord, et comment ça se fait que vous ayez atterri ici? Bah, je sais pas, j'ai laissé le volant à mon fils. Ah et ouais, malheureusement, bah. Ici. Ouais, malheureusement. Votre fils, c'est le petit lutin là? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Il se prend pour le reine du Père Noël, super. What? Ok, bah attendez, mais les amis, Mercredi, elle est aigrie, c'est pas possible, mais regardez comment elle est. What? Mais pourquoi vous êtes aussi désagréable comme ça? Aigrifié. Parce que c'est comme ça. What? Ok, je n'aime pas le monde. Oh, tu n'aimes pas le monde, ok. Oui. D'accord, et attends, mais Gomez. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? What, les amis, mais attendez, c'est moi, ce monsieur-là, il est complètement starbé. Ah, monsieur. Mais... oui. Ah, monsieur, sinon, mis à part ça, vous connaissez une grotte sympa pour qu'on puisse stuff? Non. Il sait même pas ça. Et toi, Mercredi, tu sais? Non, pas vraiment. Oh bah voilà, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Allez, bon, allez, let's go, hop là. Moi, je me suis fait une épée et une pioche. Du coup, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va se stuff, on va se mettre en full fer, etc. Et ensuite, on se fabriquera des bateaux pour pouvoir partir d'ici, voilà. Et puis voilà, tout simplement. Du coup, là, on part à la recherche d'une petite grotte. Mercredi. Je cherche. Je suis là, monsieur. Ok, c'est parti, bah vas-y, vous envoyez une, vous, ou pas? Non, pas du tout. Oh là là, les potes, dites-moi ce que vous en pensez de Mercredi et de Gomez dans les commentaires. Oui? Là-bas, j'ai trouvé papa. Quoi? Où? Ah, le petit lutin sert à quelque chose. J'ai trouvé, tiens, regarde, hop, ma crotte de nez. Non. Ouhou, tiens, regarde, prends ma crotte. Ah, mange-la. Oh. Il est aussi bête que moi. What? Ok, bon les potes. J'ai l'impression que Billy s'est fait un meilleur pote, mais what? Ok, je pensais pas que Monsieur Gomez était comme ça. Mais bon, allez, faut dire qu'on connaît pas. Il est plus drôle que Joe, papa. Il est plus drôle que Joe, carrément. Ok, bah je suis content de l'apprendre, ça, Billy. Attends là. On a une petite vache que je vais dégommer là tout de suite là. Hop, allez. Merci. C'est moi, papa. Voilà, parfait. Il n'y a pas de grotte, hein. Il n'y a pas de grotte, sérieux? Gomez. Qu'est-ce que c'est? Sers-moi quelque chose, trouve-nous une grotte. Je cherche, regarde. Oh, je regarde. Oh, y a rien. Waouh. Ok, monsieur Gomez nous a trouvé une belle grotte. Ok. T'as une torche, Mercredi, s'il te plaît? Oui, bien évidemment. Oh, merci. Ok. Tu en veux une? Ouais, s'il te plaît, si possible. Alors, je t'en donne que une, hein. Ok, d'accord. J'aime pas trop prêter. Par contre, là on a de l'acide, là. Ah oui, alors il va falloir mettre. Je vais récupérer un petit peu de pierre, comme ça. Hop là, parfait. Billy. Oula, il est tombé dans l'acide, le petit. Arrête. Voilà. Voilà, mais... Luther is dead. Bon, bah, Billy, il aurait pas survécu longtemps, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ici on n'a pas grand chose, j'ai l'impression, à voir. Oh, il y a de l'eau. Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'eau, il y a du charbon, il y a. Pour l'instant, il n'y a pas de fer. Il y a tout sauf du fer, un peu bizarre. Moi, j'aime bien la lave. J'aime bien la lave, mais il loue le rapport, oui. Mercredi. J'aimerais bien brûler. Oh, what? T'as entendu ce que j'ai entendu? Ouais, j'ai entendu. Billy. Papa, faut vite qu'on commence à partir parce qu'elle commence à me faire flipper, moi. Moi aussi, papa. Ok, bon, Billy, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va se faire un stuff, on fait nos bateaux et on part vite, ok? Oui. Pousse-toi de là, toi. Oh là là. Oh non, les potes, c'est n'importe quoi. Bon, vous savez quoi? Vas-y, go ce stuff, c'est parti. Ce soir, oui, on se mange des chamallows devant le feu. Papa, s'il te plaît. Billy, s'il te plaît, papa. Non, on reste pas ici la nuit, mais c'est une mauvaise idée. Partez. Waouh, ok, bon, les potes, c'est un peu bizarre. Bon, allez, tu sais quoi, Billy, viens, on se stuff, on prend plein de fer. Oui. Et ensuite, on se fait une armure, ok? Youhou, bon, allez, c'est parti, les potes. On va se faire plein d'armure et on se retrouve à tout de suite. C'est bon, nous voici full fer. Et quand on est sorti de la grotte, bah, du coup, la nuit est tombée. Bah, du coup, Mercredi, quoi de neuf? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose de me suivre. Oh, te suivre? Oui, je connais les. Comme ma poche. Ouais, quoi, je te préviens juste, n'y va pas. Enfin, c'est juste un conseil. Après, c'est comme tu veux. Et si tu veux garder ta tête pas mal et maintenant, voilà, suis mes conseils, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur Gomez? Mais tu es sûr que ça va? Vas-y, viens, on y va. Oui, ça va très bien. Oui. Ok, d'accord. On va aller. On va suivre Mercredi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle. C'est quoi ça?
ça? Papa. Quoi ça, Billy? C'est quoi ça? What? What? Mercredi? Venez. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Bah rien, je voulais vous montrer mes amis. tes amis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh, juste quelques petits coups de couteau. Billy, mais attends, t'avais pas un rendez-vous chez le médecin là? Ah oui, papa. Ah oui. Non, je ne pense pas. Venez au milieu. Non, mais je te jure, Mercredi, on va pas pouvoir rester plus que ça en fait. On a un rendez-vous qu'on avait oublié en fait. Ah bon? C'est dommage. Venez, je vous dis. Ah, mais Mercredi, venez. Cours, Billy, cours. Je vais mettre la forêt en feu, faut pas. Non, elle va mettre la forêt en feu. Billy, t'as du bois ou pas? Au moins j'ai du bois, putain. Oui, vas-y, fais-nous deux bateaux, vite. Oh non, les potes, vous pourrez pas partir. La situation a grave dégénéré. Mercredi, elle est en train de péter un câble. Mais regardez, mais qu'est-ce qui lui prend? Elle met du feu partout. Monsieur Gomez, j'adore voir brûler. Non. Billy, c'est bon, Billy. Ça brûle. Je suis là, derrière toi. Aïe. Vas-y, la forêt est en feu. Merci, allez. Allez, je vais vous retrouver.